Não é. Non, laisse pas le petit, là. Je viens de te dire, là, c'est pas le temps de jouer avec ça. Viens donc manger. Là, tu fais des dégâts partout. Allez. Non, on vient de même, là. On peut avoir une nappe, là, c'est petit. Hey. Ça marche pas, c'est la nappe. Mais ça prend bien des bains aussi, c'est ça. Ça rappelait, j'ai pas pensé à ça. Tu sais, les affaires pour l'avenir, là. On va acheter ça, moi, je travaille pour voir le nappe. Arrivez là. Bon, ici en 1998, moi et Marie-Claire, on est venu ici. C'est ici qu'on savait poser. Ouais, vous avez des beaux dos, franchement. Huguette! T'as un beau dos, Huguette! T'as un beau dos! Beau! Beau, beau! Beau dos! Bon, on ici, on est à Bic. Bic. Le 22 juin 2018.
est rendu ici, là. Les mouettes. Puis, Huguette, ça marche-tu? Pas vraiment. Regarde. Un gars de Saint-Fabien de Padet. Oui. Grand chose, avec ça? Oh, tes lunettes, Chris, tu vas voir. Non, tu veux pas grand chose. Pas trop proche! Bye! Bon, on est présentement. On vient de sortir du restaurant. Oui, monsieur. Un beau coucher de soleil. Il est curieux, hein, mon Dieu, ça. Mm-hmm. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, c'est là. Là, ici, on est à Saint-Anne-des-Monts. Saint-Anne-des-Monts. Regarde la lune en arrière. Garde Marie au côté de moi.
Et puis dire qu'on l'a envoyé dans notre chambre. Hein, regarde, regarde Marie au côté de moi. Ça dit regarde la lune. Regarde, il est plus épais. Bon, là, le 22 juin 2018, on est à Saint-Anne. Des Monts. OK. Ah, il est marqué là. Il est marqué là. 21h25. Ouais. Fait que là, on relaxe cette, là, pour asseoir. Fait que comme tu peux voir, c'est... J'ai mangé au restaurant chez Bess. OK. Ah ouais, il parle. C'est le même prix. Bon, le 23 juin... On est encore à Saint-Anne-des-Monts. On est sur le quai, là, les pêcheurs. Des pêcheurs. Saint-Anne-des-Monts. Ça, en 1998, là, on a arrêté ici, moi et Marie-Claire, quand on fait le tour de la Gaspésie. Là. Puis il mouillait. En tout cas, là, aujourd'hui, il fait beau, là. Un peu, Marie. Huguette va y aller par là.
Non, moi ça, c'est la belle vue ici. Non, moi ça, Gaspésie, là-bas. Bon, là, on est arrêté à Cap-des-Rosiers, là, pour dîner. Ici, vous avez des petits pains à salade au poulet. Manger un petit peu ici, là, avant de se rendre à Gaspé. En même temps, bien là, je pose ici le fort. Puis le fromage, il est là. Le fort là, de Gaspé. Le fort qui est ici, Cap-des-Rosiers. Là, j'ai une fourchette pour vous autres, une fourchette pour moi. Ah, on est à Cap-des-Rosiers, Gaspésie. Par où tu regardes celle-là, c'est là. Ah là, 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 là. C'est ça. Faut le faire.
Bon, là, on est rendu ici. On est venu en 98. Sanctuaire Notre-Dame des Douleurs, Pointe Navarre. Pointe Navarre. Il est gros, je suis 6 piastres, même si j'ai 2 piastres. Je ne sais pas à quoi j'en change. N'as-tu le change, bébé? As-tu un petit, mais gros, un petit, c'est 2 piastres, puis gros, c'est 6 piastres. Non, un gros, un petit, ça va faire. Elle l'a-tu, le 2 piastres, oui? Je l'ai, je l'ai. Moi, j'ai un patrice. C'est bon. Je l'ai, moi, dans mon char. Dans le char. As-tu 2 piastres sur toi? Mais on ne perdra pas dans le truc, ça. Papa? Thank you.
le soleil en face, hein? Ah, ils sont là, bébé, regarde. Claire. Va dans le trou, là. Bon. Huguette, y vas-tu? Viens, Patrice, on va se poser. Attends, elle m'a te posé. Bon, le 24 juin 2018, on est à Percé. Pas de notre motel en haut là-bas, le Mirage. Là, on voit la grève. La grève. Rocher de Percé. Oh, je suis le Mirador. Un bateau qui arrive là. Un des bateaux de l'autre bord. L'île. Pat qui prend une photo. Donc, je passe par là-bas, eux autres, oui. Oui, venez-vous en. On s'en est là-bas, là, puis on va aller ailleurs tantôt. C'est bon.
Ben oui, c'est à 9h. 9h et quelque part. Il est 9h moins 20? Là, tantôt, on va mec, on va aller là un peu, là. Sur le quai, là. Quand. Ouais. Là, j'ai des pets. T'as chié, toi, le matin? Non. Pas grave. On voit que ça, c'est nœud, là. C'est pas fini encore. Comme. On a parlé avec deux petites madames tantôt, oui. En haut, là-bas, là. Ils venaient de New Richmond, là, vers où est-ce qu'on s'en va, là, nous autres. Ils parlaient-tu français, moi, lui? Non, français. Vente moins ici, là. Oui, ici, il y a un peu moins de vin. Puis on va aller là-bas, Pat. Là, il y a le bateau là, qui s'en va.
Hi. Are you going for a ride now? We're going down the direct. Okay. We don't. We're going over a photograph. Marche suivie, Marie-Claire. On finit par trouver la maudite bâtisse. Au moins, ça nous a fait voir le terrain de camping ici, là. Il y a un terrain de camping ici, là. Du chalet, là. Préfabriqué, ça a de l'air. Ils montent ça comme une tente. Tantôt,
n'a pas payé, nous autres, on... La porte, il n'y a pas de ça. Les portes s'ouvrent automatiquement, dans le fond, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Mais... Là, il faut aller là-bas, là, ouais, pour se mettre en règle. Pour payer, oui. Okay. On est rendu au Mont-Saint-Joseph. Et puis, c'est ça. Ça, c'est les répétitrices, les sites, là. Puis on se trouve être à 555 mètres de haut, ici. Tu sais, ici. C'est là qu'on était parqués, moi et Marie-Claire, là, jusqu'à le pick-up, là, le Jeep, là. Ben, tu cœurs, l'entrée n'est pas l'autre bord? L'entrée, t'es pas là, 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 en avant? Je sais que tu peux rentrer là aussi. Non, l'entrée est là-bas, c'est vrai, ils l'ont changé, là, on peut plus. Quand ils ont mis une chose, ils ont mis l'entrée là-bas. Tu veux que je connaisse ça, mais 20 ans plus tard? Attends, Huguette, mais tu y alles sur le bord, là, tu vas voir, ça fait bizarre. On voit les maisons en bas. Doit, hein? Non, non, il n'y a pas de danger, là. On va aller voir. On va y aller de suite, OK. On va y aller de suite. Ça a l'air d'un petit jouet. On dirait que c'est beau, c'est vrai. Hein? Hein? Ça, c'est haut? C'est haut. On en gagne les jours. En bas, c'est tout petit. On dirait des petits jouets. Il y a une ici dans le quartier, le 12 juillet 54. Hein? Il y a une le 12 juillet 1754. Ça, c'est la ville en bas. L'autre bord, c'est le Nouveau-Brunswick que tu vois en avant là-bas, là. Passage de Jacques Cartier. Ton chou-là, on perd tant qu'à. Ah, c'est ça. Ah, oh, c'est ça, tu prends ça, OK.
Prends-en, Marie, des photos, là, en bas, là. J'en ai pris une coupe, là. Celle-là, c'est des fêtes, celle-là. Là. Prends-en, ça coûte rien. Je vais aller un petit peu plus loin, m'en poser d'autres. Oui, oui. Quand la pointe, là-bas, elle doit recouvrir, certain, quand que la marée a monté, là. Non, 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 c'est, ça ne part pas par-dessus ça. Non, ici, c'est la bactéo de la Ristigouche, en 1760. Mont-Saint-Joseph. Oui, monsieur. On est venu ici en 98, moi et puis Marie-Claire. C'est pour ça qu'on a parlé avec les Ravens, c'est les Français qui avaient venu. Puis on s'est fait pogner par les maudits Britanniques, les Anglais. Mais plaines de les plaines en 1759. Les plaines de Brahe, 1759. Ah oui, je laisse en aller, tu vois, c'est le temps. Fois, ça a l'air d'être une pisciculture là-bas, hein? Dans la Gaspésie, le territoire. Là, c'est dans le milieu, là. Oui, oui. Ça ressemble à de la pisciculture. Oui, je vois. La baie des chaleurs, un mosaïque. La Gaspésie, c'est les premiers habitants anglophones. On se fait manger. Ouais. Prends une photo, prends une photo. Encore des photos.
Tu veux planer, prendre du poisson. Et là, tu vas planer. Continue comme ça, puis tu vas planer. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas descendu jusqu'à lui, sur deux pattes. Ouais. Quand tu es descendu, sur trois pattes, l'habitude? Non. Une patte, d'habitude. Une patte. Le canton et le système de rang québécois. Hein? Système de rang. Mais ça m'enlève. Bientôt, le deuxième seigneurial préfet en Nouvelle-France, comme moi, de l'émission des terres. Ce modèle consiste à accorder une portion de terre seigneurie à l'entrepreneur, ça va. C'est assez haut, hein? C'est assez haut. Pas dire le contraire, mais là-bas, ça a l'air pas mal haut aussi, là, les petits pics qu'on voit là-bas. Là. Ah oui? Ça doit être assez haut aussi, là-bas. Là. Ah oui? C'est beau, non? On est rendu au bout du chemin ici. Là, on va s'en retourner là-bas parce qu'il commence à avoir des maringouins ici. Là. On est rendu au bout du chemin, là. Puis il commence à avoir des maringouins ici, bébé. Pas mal, hein? Fait que je me fais piquer, moi, là. On est mieux d'en virer. C'est normal. Oui, oui, c'est normal, on est dans les sapins. Tu sais, ça fait une belle petite marche ici, là. Fait que, on en prend, nous autres, des vidéos. Tiens, monsieur. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça si c'est beau, toi. Mais
On va rentrer en dedans, là, on va aller voir. Je t'ai pas à dire que s'il marque. C'est qui marque là? Excusez. Lisez, puis moi j'ai. Moi j'écris, moi. Elle a été faite en 1935. Mm-hmm. 1935. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous aussi? Oui. On dirait pas le même gars, hein? Je pensais que c'était un touriste. Parce qu'à l'autre bout de tout à fait, il y a des toilettes si vous voulez aller aux toilettes. Ok, va voir la petite vidéo. Oui, moi y aller, mais finir là. Thank you.
ascension de plus de 2 heures. Étais-tu courageux? Le mont Cachaouar à 34, on mm-hmm. monte à 5. Ben oui. 2 heures après. 2 heures pour monter. Oh. C'est passé, là. Excusez-moi, c'est parce que là, je le filme, moi, là. Oh oui. Puis je vais pouvoir la regarder. Territoire Micmac. Celui-ci englobe toutes les provinces.
activité. Nous connaissons deux versions qui expliquent la signification du mot Tracadigash. Pour les Acadiens, Tracadigash est un mot d'origine Micmac qui signifie « là où il y a des errants ». Mais, selon les Micmac, il s'agit d'un toponyme fort significatif pour leur peuple. Cela signifie « lieu habité ». On retrouve un dérivé de ce nom dans chacune des provinces de l'Est. Selon Chrétien Leclerc, un missionnaire et auteur du XVIIe siècle, les Micmacs se rassemblaient en grand nombre à chaque année sur la montagne Tracadiash. Cette rencontre se faisait durant la période du solstice d'été. Encore aujourd'hui, les Micmacs connaissent la montagne Tracadiash et l'évoquent dans un chant ancien lors de leur parois. Officiellement, le premier Européen à visiter Tracadiash est nul autre que Jacques Cartier, le 9 juillet 1534. C'est ce jour-là qu'il débarque sur le banc Laroque, alors que 300 Micmacs festoient. C'est une journée très chaude. Bonjour. Il écrit dans son journal de bord. Leur terre est en chaleur plus tempérée que la terre d'Espagne, et la plus belle qui soit possible de voir, et aussi unie qu'un étang. Il n'y a aucun petit lieu vide de bois, et même sur le sable qui ne soit plein de blé sauvage, dont les pieds comme seigle, et le grain comme avoine, et des pois aussi gros que si on les avait semés et labourés. Groseilles, blancs et rouges, fraises, et roses rouges et blanches, et autres herbes ou étangs où il y a force son. Nous nommons la dite paix, la baie des chaleurs. Par la suite, il continua son voyage vers Gaspé, où il planta une croix le 24 juillet, François Ier, roi de France. Pour situer le début du peuplement de Tracadiash, il faut remonter à la déportation des Acadiens. À partir de 1755, suite à cette tragédie vécue par le peuple acadien, certains d'entre eux se retrouvent tantôt au camp des réfugiés nommé Petite Rochelle, situé sur la rivière Estigouche, tantôt à Bonaventure et ailleurs sur les côtes de la Midi-Chaleur. C'est en 1767, quelques années après le traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans, qu'un petit groupe d'Acadiens viennent de Bonaventure pour s'installer à Tracadiash. C'était un groupe de quelques familles, à peine avec Charles Dugan, trois familles de Leblanc, Jean-Baptiste, son frère Benjamin et Joseph Leblanc, qui était marié à Madeleine Giroir, qui est la famille des Giroir. Et quelques autres familles, l'année Alain et Bugeaud et d'autres, se sont regroupés et se sont suivis par la suite. Donc, de ce temps, environ 10 ans, on va de la déportation de la Cadet, on sait que c'est la déportation d'Acadiens et l'ensemble de la dispersion de quelques milliers d'Acadiens qui ont fait qu'un jour de nuit s'installer ici à Tracadiash. Ils sont donc autorisés par le gouvernement du Carleton à s'établir à Tracadiash pour cultiver les terres et y faire la pêche. En 1780, il y a déjà plus de 200 habitants qui s'occupent à défricher, à cultiver, à pêcher et à jeter durement des bases de ce qu'allait devenir un jour Carleton-sur-Mer. À cette époque, la population de Tracadiash est essentiellement acadienne. Par la suite, d'autres Acadiens venus d'un peu partout viennent s'établir, ainsi que des Canadiens français et quelques familles écossaises et irlandaises. Ce n'est toutefois qu'à partir de 1825 que les Acadiens, après maintes démarches, commencent péniblement à recevoir leurs lettres patentes faisant d'eux des propriétaires fonciers avec les droits qui s'y rattachent. Comme l'endroit est propice à un peuplement, cette population croît très vite, de telle sorte qu'en 1836, avec
Carleton, ou Tracadie-Gatch, ressemble aux paroisses du district de Québec. Pour ses habitants, la pêche est d'une importance secondaire. L'agriculture forme leur principale occupation. Des chemins bien entretenus permettent de voyager en voiture dans toute l'étendue de Carleton. Aussi, chaque cultivateur possède cheval et charrette, tant pour les voyages, les promenades, que pour les travaux de la terre. C'est un luxe que nous n'avons pas encore rencontré dans la Gaspésie. En 1767, Tracadiège comprend un territoire s'étalant sur 9 lieues, environ 40 km, situé entre les Cap Noirs à l'est jusqu'à l'entrée de la rivière Estigouche à l'ouest, incluant la pointe Miguacha. Aujourd'hui, ce territoire accueille les municipalités de New Richmond, Saint-Jules-Cascapédia, la communauté de Guesquebegan, Maya, Carleton-sur-Mer et Nouvelle. L'aspect géographique des lieux est sûrement l'élément le plus important qui a attiré les premiers Acadiens ici à venir, ainsi que ceux qui suivent. Bon, là, on est à Grand Falls. Grand Falls, Nouveau-Brunswick. Là, il vient de commencer à mouiller, là, ça n'a même pas une demi-heure, là. Fait que, on va prendre un petit vidéo, vu qu'il ne mouille pas trop. Et puis, demain, on va revenir. Demain matin, on va revenir. C'est ça qui se trouve être les... Mais là, l'eau, elle coule pas fort. Regarde. Tu gars, il part de là. Non, il part d'ici. Il part de là. Il traverse au-dessus des chutes pour aller à l'autre. À l'autre chose là. Là.
Les Mohawks, les Mohawks qui attendent qu'il fasse noir. Bon, on est rendu à Grand Sault, le 25 juin 2018. On va prendre une petite marche, là, aller sur le bord de la rivière. Ça doit être par là-bas, donc on va aller voir, on n'a pas le choix. Mais il ne faut pas une grande marche, pour... Pas! Mais non, mais pour, pourquoi pas faire une grande marche? On est venu ici en 98. Oui, monsieur. Hey, on fait le tour. Ouais, mais son bon temps de marche. Son bon temps de marche. Hein, son bon temps de marche. Oui, c'est correct. Le bon temps du pèlerin. Oh, ouais. Ouais, oui. Ouais, mais il y en a beaucoup, nous autres, en promenade. Ouais. C'est des bâtons de ski, là, mais c'est des bâtons de marche. Oui, quand je fais la marche, tu ne peux pas venir. Là. C'est pas l'été, là. L'automne, c'est l'hiver. Je fais mon bon temps. Tu es dans le rapport, on va rentrer. C'est pas bien. Je suis pas si solide sur mes pieds. C'est ça. Non, tu restes en bas, tu meurs en bas.
Tiens, regarde-moi ça. Ça s'en va par là-bas, Marie. L'eau s'en va par là. Oui. Prends des photos, Marie, t'as Kodak. Il y en a un autre là-bas, un autre passerelle. On va aller voir. Okay. On va prendre l'autre là-bas. Même on va pouvoir aller. Ah non, on continue on là-bas, là. Tu compris, là? Ouais. Comme si on ne l'aurait pas vu à crotte. On voit la crotte c'est qui s'en va. Parce que c'est ça. Qui s'en va en avant. On voit la crotte qui s'en va en avant. Il est plat, c'est le cochon. Vois-tu, on n'aurait pas venu ici, nous autres, parce que ça n'existait pas dans le temps ici. Et là-bas, c'était un petit peu plus long que ça, nous autres, quand on est venu. Mais par contre, ils l'ont fait ici. Ah ouais? Ouais. Parce que ça, c'était pas fait dans le temps quand on est venu. Qui se prépare à y aller, là. Oui, ouais, ici, c'est vraiment beau. Ah.
Ouais, c'est vraiment beau ça. Et ça fait. On va aller voir par là, voir qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air encore formé, la porte. Hein? J'ai essayé de rentrer. Celle-là, il pense pas qu'il y a pas, il va pas aller par là-bas. Ah, ok, c'est là, là. Ouais. Ben, ils ont essayé l'autre porte, mais pas bien, il va aller. Ouais, c'est vraiment beau, on n'est pas venu ici. C'est nouveau ça. Arrête donc. Hey. Oh oui. Ouais. Oh oui. Là, moi, ça, c'est beau, gros barrage.